Dans le théâtre intime de nos relations, le sentiment d'amour est supposé être notre base. Pourtant, souvent, il secoue nos fondations, mettant en lumière nos blessures les plus profondes, nos peurs de rejet, nos peurs d'abandon. Ce sont en fait les cris silencieux de notre enfant intérieur. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est simplement des appels à l'autoréparation. La solitude, c'est quelque chose qui nous hante. Mais ce n'est pas une malédiction, c'est en fait une chance de nous redécouvrir et de poser de nouveaux jalons pour plus d'épanouissement. Se confronter en fait à nos insécurités, reconnaître nos stratégies de fusion pour éviter tout ce qui est rejet, tout ce qui est abandon, c'est le premier pas vers l'autonomie affective. Ce n'est pas un chemin solitaire. À travers une exploration guidée pour laquelle je peux vous accompagner, il est possible en fait de défaire ces nœuds, de se libérer des schémas du passé. Et de comprendre en fait que l'amour de soi, l'acceptation de sa propre histoire, ce sont en fait les clés d'une relation épanouie. Alors prenez soin de vous, car dans ce soin se trouve la révolution la plus douce, celle de l'amour véritable.